À 50 km de Rennes, en pleine campagne. T'as tout là ? C'est bon, j'ai tout préparé, Sinclair. Il est 8h et comme tous les jours, Emeline, 23 ans, est censée aller en cours. Mais ce matin, l'étudiant doit revoir ses plans. Oh putain. Contraction, ça me fait mal. Putain. Il semblerait que son futur bébé ait décidé de la rejoindre avec 15 jours d'avance. Ouais, ça va, ça va. En couple avec Jonathan, manutentionnaire dans une usine, Emeline termine sa deuxième année de BTS agriculture. Celle qui rêve de devenir conseillère agricole est en pleine période d'examen. Même si elle est sur le point de mettre au monde son premier enfant, l'étudiante n'a qu'une chose en tête, son rapport de fin d'année. Si je le rends pas, ben, ça m'annule mon BTS. Donc quand tu te donnes 200% pendant 2 ans et que finalement, tu peux tout échouer avec juste pour un dossier. La jeune femme n'a pu bénéficier d'aucun traitement de faveur de l'académie. Dans quelques jours, Emeline va accoucher et en même temps passer ses examens. Étudiante et enceinte, un double défi pour la jeune femme. Comme Emeline, elles sont 110 000 en France à avoir fait le choix de devenir mère pendant leurs études. Elles jonglent entre leurs cours, les échographies, les révisions et les couches. Allez, c'est parti. Elles doivent gérer des emplois du temps de ministre et des budgets serrés. Non, ça va pas. Pour ces jeunes femmes, le plus difficile est d'accepter le regard des autres. C'est le gynécologue, le premier truc qu'il m'a dit, c'est « bon, tu veux qu'on te l'enlève, quoi ?» Alors que l'âge du premier enfant ne cesse de reculer, 30 ans pour les femmes diplômées, ces étudiantes font un choix à contre-courant, faire des enfants avant de se bâtir une carrière. C'est toi qui toques à la porte ? Elles s'appellent Camille, Laura ou Emeline. Nous les avons suivies pendant la période la plus décisive de leur année, les examens. Bon courage. Ouais, merci. Entre crise de larmes, moment de joie et stress de la page blanche, plongée dans le quotidien de ces mamans étudiantes. Hop. Alors qu'à 20 ans, plus de la moitié des jeunes vit encore chez ses parents, à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, Camille, elle, est indépendante et déjà maman. 8, 9. On va voir le bibi, Tim ? Allez, on va voir le bibi. À 22 ans, la jeune femme qui rêve de devenir vétérinaire élève seule son fils de 2 ans, Tim. Au quotidien, elle n'a pas une minute à elle. T'installes ? Comme ça, maman va se préparer en attendant Tim. Et on va se changer maintenant, monsieur, là. J'ai une heure et demie pour le changer, me préparer, lui donner le biberon. Ça prend un temps fou au final parce qu'il n'est pas forcément toujours très coopératif. Donc c'est vrai que là, dans l'heure qui arrive, je pense que je vais épuiser tout mon stock d'énergie pour la journée. Camille tombe enceinte à l'âge de 19 ans, par accident, alors qu'elle vient d'intégrer la fac de biologie. Le papa, étudiant lui aussi, la quitte. Dans cette situation, la plupart des étudiantes interrompent leur grossesse. Camille, elle, décide de garder son bébé et de continuer ses études. Merci, Tim. Un choix qui l'a obligée à grandir plus vite et à trouver des solutions au quotidien pour s'organiser. Bonjour. Et elle a eu de la chance. En France, une dizaine d'universités ont des crèches. C'est le cas à Toulouse. Une aubaine pour Camille qui peut faire garder son fils pendant ses cours. Elle va à la fac, maman. Allez, maman, à tout à l'heure, toujours maman. En plus, ça va être très très court. Oh. Sur les 30 000 étudiants de la faculté, une vingtaine laisse ses enfants ici tous les matins. Des parcours de vie à part qui font l'admiration de la directrice de la crèche. C'est une maman qui arrive en même temps à concilier sa vie d'étudiante. Il faut beaucoup de courage, de disponibilité, de temps, savoir gérer le stress au moment des examens. C'est quelque chose qu'il découvre en même temps. Mais à la fac de biologie, tout le monde ne comprend pas toujours son choix de vie. Des fois, on me regarde un peu bizarrement. Je sens qu'il y a de la curiosité un petit peu. Donc je suis un petit peu l'alien de l'amphi pour ceux qui le savent, en fait. Heureusement, Camille peut compter sur le soutien et l'aide précieuse de quelques copines. De L1. Du coup, merci de m'avoir aidé à réviser cette matière. Parce que, carrément, sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. Je pense qu'il ne faut pas renoncer juste parce qu'on est maman. C'est quand même, elle peut concilier les deux, je pense. Merci. Ce jour-là, Camille doit passer un examen très important.
un partiel de biologie qui lui permettrait de valider sa deuxième année et de réaliser son rêve, intégrer une école vétérinaire. Je suis stressée, c'est vraiment, j'aime pas cette matière. Mais bon, ça va bien se passer, j'ai révisé du mieux que je pouvais, au moins j'aurais pas de regrets. C'est parti pour 4 heures d'examen. Si Camille s'est retrouvée maman étudiante par accident, il y en a pour qui construire une vie de famille pendant les études est une décision mûrement réfléchie. Dans le sud de la France, à la faculté de médecine de Nîmes, parmi les 5700 étudiants de ce campus, une jeune femme s'apprête à accomplir un petit exploit. Dans 10 jours, Laura va passer ses partiels de première année de médecine, enceinte de 8 mois. À la fac, elle se sent comme une bête de foire. Ce matin, encore une fois, ça ne manque pas. Une étudiante est intriguée par son ventre rond. Tu dis qu'elle a du courage. Ben, faut beaucoup travailler, puis c'est très... Enfin, de mon point de vue, je trouve que c'est très physique, de base. En plus... Tu sais que c'est son quatrième ? Oui. Wow. Et oui, à 26 ans, Laura a déjà 3 enfants et elle est bien décidée à mener de front ses études de médecine et cette quatrième grossesse. Mais quand on est maman, chaque jour réserve son lot d'imprévus. Tous les après-midi, pendant que ses enfants sont gardés par une assistante maternelle, Laura révise. Mais aujourd'hui, son rôle de maman va vite la rattraper. 16h, message de la nounou. Candice va pas bien, elle arrête pas de vomir et Léo vient de manger le peu qu'il a mangé. Ses deux plus jeunes enfants sont malades. Ses partiels sont dans 10 jours, mais pas le choix. Laura est obligée de tout abandonner pour aller les chercher. Oh là là. Bon alors, ma chérie. Petite mère. Viens, Candice. Je vais vous aider à l'hôpital. Ouais. Léo, 1 an et demi, et Candice, 3 ans, présentent tous les signes d'une gastro-entérite fulgurante. On va essayer de ne pas vomir dans la voiture. Hein. Bon, bah écoutez, bon courage. Oui. Laura va pouvoir appliquer ses cours de médecine plus vite que prévu. Si, 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 tu gardes la bassine à côté de toi. Faut le laisser fondre sur la langue, d'accord, Candice? Tu croques pas. Non, laisse-le fondre. Christophe, son compagnon, chef de chantier, arrive avec leur 3e enfant, Lucas, 4 ans. Ça sent des enfants bien malades. Pile à l'heure. La nuit va être longue. Études, plus enfants, plus maison. La semaine, bon, je suis là le week-end, mais la semaine, ça digère tout. Moi, je ne serais pas capable. Laura espère accoucher après ses partiels, mais rien ne va se passer comme prévu. Elle est pleine la bassine. À l'autre bout de la France, à la maternité de Rennes, nous retrouvons Emeline, l'étudiante en BTS. Elle vient de donner naissance à un petit garçon, Loris. C'est dur. Mais la jeune maman n'oublie pas son autre priorité. Elle n'a plus que 2 jours pour rendre son dossier de fin d'année. Et contrairement à ce qu'elle espérait, elle n'a pas beaucoup avancé. J'avais pris mon ordi, mais je n'ai pas trop travaillé dessus. Mais ouais, j'y pensais tous les jours. J'ai eu mes profs tout le week-end. Ils m'ont dit, mais tu penses encore à ça? Mais profite de ton bébé et tu verras après. Pour la jeune femme, hors de question de redoubler son année. C'est parti. Elle compte bien rattraper le temps perdu à la maison. Mais Emeline a sous-estimé un détail, et pas des moindres. Être parent requiert bien plus de travail que 3 jours de pouponnage à la maternité. Et ça commence par l'épreuve du siège auto. Alors, est-ce que ça va passer? Ah, par contre, du coup, la ceinture, vas-y, fais-la passer là. Mais il me semble qu'il faut faire passer sur les... Il n'y a pas un truc spécial là? Bah, tire un peu la ceinture. Attends. Passer, moi. Ah non. Quoi? Au bout de 10 minutes d'acharnement... Et là, ça, tu passes comme ça, dans les trucs. Mais tu pouvais pas le dire plus tôt. Eh ben voilà, j'avais raison. Bah pourquoi tu veux pas le faire? on le met une fois, on l'enlève plus. Hein. À la maison, nouvelle épreuve. Réviser avec un bébé qui ne veut pas faire la sieste.
Pour se concentrer, Emeline a demandé à Jonathan de s'occuper de Loris. Mais le jeune papa poule ne connaît vraiment pas le mode d'emploi et il a du mal à trouver le bouton stop. Essaye de marcher avec lui, sinon non. C'est dur de se concentrer. C'est trop dur. Là, j'ai un peu stressé, j'avoue, parce que pour le fait qu'il pleure comme ça, Loris, bah du coup, je me dis, est-ce que je vais avoir le temps de bien tout finir ? Emeline ne s'attendait pas à un tel bouleversement. La jeune étudiante n'a pu se concentrer que quelques minutes. Elle va devoir redoubler d'efforts si elle ne veut pas rater son BTS. Mais pour ces mères étudiantes, réussir leurs examens n'est pas le seul enjeu. Il faut aussi parvenir à gérer un budget au plus juste. À Toulouse, Camille en sait quelque chose. Ce soir, ses camarades se retrouvent pour fêter la fin des partiels. Mais pour elle, le programme est moins festif. Bonsoir. Bonsoir. Crèche. Allez, on s'installe. Et course au supermarché avec Tim, son petit garçon. Et voilà. Pour la jeune femme, chaque jour, c'est un défi. On va direction les couches. Camille ne travaille pas. Chaque mois, elle perçoit 900 euros d'allocation familiale et 400 euros de bourse d'études, soit 1300 euros. Alors avec un enfant en bas âge, impossible de faire des folies. Hop là. Entre son loyer de 500 euros, ses charges et les dépenses pour Tim, environ 200 euros par mois, les fins de mois sont difficiles. Alors Camille doit tout calculer. J'achète pas trop de marques et tout ça, sauf quand c'est pour Tim. Donc oui. Donc du coup, ouais, les priorités, c'est comme toutes les mamans, c'est Tim. Et puis après, c'est moi. Voilà. Allez, maintenant, direction les caisses. Et ben, jette. Aujourd'hui, le montant des courses n'est pas excessif. 33 euros. Mais au moment de payer... Non, ça va pas. Bon, ce sera par chèque, alors, s'il vous plaît. Sa carte bleue est refusée. Camille devra se serrer la ceinture jusqu'au mois prochain. En route. Pour l'aider dans son quotidien, heureusement, elle peut compter sur sa mère. Toc, toc, il y a quelqu'un ? Camille n'a qu'à frapper à la porte de l'appartement voisin. C'est Tim, c'est Nana. Ça va, Tim ? Alors, c'était bien la crèche ? Ouais, ouais. Ça s'est bien passé ? Bah, il a pas trop mangé apparemment aujourd'hui. Sa maman, Caroline, s'est installée à côté de chez elle pour pouvoir garder son petit-fils en cas de besoin. Regarde, Tim, tu viens jouer avec Nana ? Il y a un an, l'annonce de la grossesse de sa fille lui a fait un choc. Mais aujourd'hui, la jeune grand-mère la soutient au maximum. Je l'admire parce qu'elle arrive à tout mener de front, en fait. Et elle a beaucoup souffert, elle a galéré, mais je suis plus que fière. Fière, Emeline, la Bretonne, l'est aussi. Elle a rendu son rapport. Et malgré la fatigue, elle a tenu bon à l'oral. Alors que ses camarades de BTS révisent au lycée... Je vous dérange ? Elle a décidé de leur faire une petite surprise. Ouais, ils sont mignons. Oui, t'as pas trop ennuyé cette nuit ? Si, ouais, j'ai dormi 2 heures cette nuit. À 1h30, et entre bébé et révision. Ouais. Depuis notre tournage, la jeune femme a obtenu son BTS. Elle est aujourd'hui en licence, mais elle a décidé d'attendre la fin de ses études pour avoir un deuxième enfant. Alors. Camille aussi a réussi son pari. Alors, semestre 4. Regarde les notes de maman. En 15. En 17. Super. Bonne nouvelle, ma chérie. Trop cool. T'as vu, maman, il faut que ça a bien travaillé. Elle a obtenu sa licence de biologie et elle prévoit d'intégrer une école pour devenir vétérinaire l'année prochaine. En revanche, pour l'oral étudiante en médecine, il va falloir attendre un peu. Avec 3 semaines d'avance, elle vient de mettre au monde un petit Louis. Pour le concours, ça va être difficile, là. Ça aurait été un mois avant, j'aurais pas dit, mais là... Il est petit, mais... Laura n'a pas eu le temps de réviser. Elle a raté le concours de médecine. Depuis, elle se consacre à l'éducation de ses enfants et ne perd pas de vue son rêve, devenir sage-femme.